Quelles sont les entreprises qui concrètement mettent en place une organisation apprenante? La réponse est difficile parce que l'organisation apprenante n'est pas un schéma figé. Par contre, il y a deux types d'entreprises qu'on peut voir assez facilement appliquer les recettes apprenantes. Les premières, ce sont les startups. Une startup, par définition, est une entreprise apprenante puisqu'elle va en permanence pivoter, revisiter son sujet, son projet, son produit, réinterroger les clients, faire des prototypes. Et donc ça, c'est typiquement une entreprise apprenante. Et puis, à l'extrême du faisceau, vous avez les entreprises qui ont plus de 30 ans, puisque vous savez que la moyenne d'âge, l'espérance de vie d'une entreprise est à peu près de 18 ans. Au-delà de 30 ans, une entreprise qui a été capable de se renouveler, et on en connaît qui se sont renouvelées sur plusieurs siècles, ces entreprises-là sont véritablement apprenantes.